concept est simple, c'est une randonnée gratuite avec justement un contre-pied, avec une excellente qualité de réception, proposer du vin, proposer plein de choses qu'on ne retrouve pas habituellement sur une randonnée. Connaître la région et tout, c'est énorme, c'est vraiment bien, c'est quelque chose de grandiose, parce que c'est très très rare, les ravitaillements sont excellents, c'est même encore mieux que l'année dernière. On a proposé 4 parcours, donc ils viennent en famille, donc on propose un pédestre, donc après il y a le familial pour les enfants accompagnés de leurs parents, après un 40 km sportif, sans franchissement, sans difficulté technique. Et après, donc le 55 qui, lui, est réservé justement à des gens qui font du VTT engagé. C'est parfait. C'est pour ça aussi qu'on fait ce circuit, notamment le 40. Ça nous permet de s'arrêter, de déguster un peu. Ça permet de découvrir effectivement de nouvelles propriétés. Et nous, on trouve ça très très bien, très intéressant. On essaye de mettre en avant les propriétaires qui nous accueillent. Grâce à eux, on a possibilité de faire une très belle manifestation. Donc on a des très belles propriétés qui permettent de découvrir encore d'autres choses en plus de la randonnée. Là, c'est la première année que je fais. Les décors sont jolis, il y a un petit passage sur le bord de la Garonne, c'est vraiment sympa. Ouais. Même le parcours dans la citadelle, c'est à faire.